Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le unboxing de la Degusta Box de décembre 2019, donc qui est théoriquement la box de Noël. Là j'essaie de l'ouvrir d'une main parce que j'ai perdu mon trépied, donc pour vous faire l'unboxing. Alors, comme ça. Et voilà. Donc, la thématique c'est fête de fin d'année. Donc, on regardera ça, ce produit-là plus tard. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ça c'est un flyer. Simplement. Après, on a quoi? Un autre flyer. Bah, décidément, ils sont très écolos dans cette box. Ah, ça, ça plaira à ma mère. C'est un bon de réduction. Pour chez Elévire, Condé sur Vire, donc je pense que c'est pour la crème fraîche Elévire. Donc ça à garder. Ensuite, on attaque le unboxing. Donc tout d'abord, j'aperçois un paquet de chips. Chips saveur confit d'oignon au vinaigre balsamique de la marque Bretz. Donc visiblement, c'est le paquet de chips qui coûte 1,49€ et il y a un paquet par box. Ensuite, par contre, c'est ça qui est chiant. Ah, on a encore un flyer. Donc, avec le code DégustaBox, on a quoi? On a une promo pour les confitures Bonne Maman. Donc, théoriquement, il y a un produit Bonne Maman dans la box. Donc, ça, c'est chiant. C'est des bonbons. Ils en mettent souvent dans la DégustaBox et je trouve ça pénible. Mais bon, voilà. Donc, ce coup-ci, on a des Mawam Strip avec fruits et caramel. Donc, ces Mawam sont au prix d'1,75€. Ensuite, on a une sauce pimentée, alors sauce au piment doux Thaï, donc de la marque Ayam. Et donc ce produit-là, donc une contenance de... Pas marqué, c'est marqué juste que c'est sans gluten et sans colorant. Et sans ajout de... Mais j'ai bon. Ah, de glutamate monosodique. Voilà, et donc c'est au prix de 2,59€. Ensuite, on a... Des gâteaux granola. Ben, je vois, à part l'emballage, je vois pas ce qu'ils ont de nouveau par rapport à d'habitude. C'est marqué qu'ils sont plus fins. Ce sera à voir à l'intérieur. Ouais. Voilà. Donc, on a un paquet de granola. Et donc, ce produit-là est au prix... Donc, c'est des granolas extra fins au chocolat au lait au prix de 1,85€. Donc, on poursuit avec les... donc, des crèmes fraîches légères sans additifs de... Elévire, donc du coup c'était pour ça qu'on avait des bons de réduction. Et donc ce produit-là est au prix de 2,45€, enfin estimé dans le commerce. Ah bah cette box va faire plaisir à ma mère du coup. On a ensuite, alors, c'est pas ce produit, oula, excusez-moi. Ah c'est pas ce produit-là qui plaira le plus à ma mère, mais bon c'est une boisson à la baie d'açaï et avec antioxydants, donc à l'açaï, au myrtille et à la grenade. Donc ouais, pourquoi pas, c'est bio visiblement d'après le logo et c'est 250ml. Donc voilà, pourquoi pas, on verra. Et donc c'est au prix de 1,99€ dans le commerce. Le vrai produit qui fera bien plaisir à ma mère en dehors du Malteser, c'est la Floraline qu'elle adore cuisiner. Donc qu'elle cuisine pour faire des gâteaux principalement, bah, comme sur la photo, voilà. Et donc là c'est en... c'est un paquet de 500 mg, oula, non, 500 grammes. 500 g, c'est pas beaucoup. De 500 g, et donc qui garantit une cuisson en 3 minutes. Donc à voir. Donc ce produit-là est estimé à 2€ dans le commerce. Ensuite, donc on a ce produit-là Malteser. Donc visiblement, ce sont des rennes. Ouais. Enfin, des rennes en chocolat, voilà. Ouais. 5 rennes au chocolat au lait, voilà, c'est marqué là. Au chocolat au lait avec un cœur Malteser croustillant et onctueux. Oula, faut pas que ma mère voit cette box. Donc, c'est un pack avec 5 rennes seulement et qui coûte 3,99€. Ça, je l'ai jamais vu dans les supermarchés. Donc, c'est peut-être une nouveauté de chez Malteser. Ensuite, on a des petits pots Bonne Maman. Des petits pots, enfin des pots de petite quantité de confiture Bonne Maman. Donc, là, on a de la confiture à la figue violette à la cannelle. Normalement, on doit avoir un coffret de 5 saveurs. Bah, ben, non. Ce qu'il nous raconte. Donc clairement j'en ai pas 5 pots. Alors maintenant j'en ai que 2. Et là j'ai confiture de framboise et pépinée. Ah ils ont mis 2 pots par box. Donc 4 parfums possibles.
Voilà, donc des petits pots de 30 grammes. Donc on a framboise et pépiné et donc figue violette à la cannelle. Voili voilou, donc au prix de 4,50€ les deux. Je trouve que c'est un petit peu surgonflé au niveau du prix, mais pourquoi pas. Moi, j'ai payé la box 15,99€, donc je me dis pourquoi pas. Ensuite, donc là, on est au produit phare de la box, donc qui est le produit Jacquet Mini Toast Créatif, donc qui est au prix donc de 1,55€ dans le commerce. Donc c'est simplement un produit. Pourquoi il est vert celui-là? Enfin, je sais pas si on voit bien avec la luminosité. Donc visiblement, il y a des toasts au saveur pistou, céréales maltées ou nature. Donc à voir. Et enfin, le dernier produit de la box qui est une canette. Parfum pêche, donc ce ne sera pas pour moi. Bizen. Et donc on a eu la saveur pêche, donc c'est une canette de thé vert aromatisée à la pêche. Donc visiblement, il y a de la passiflore, camomille et valériane dedans. Et donc on a une contenance de 250 ml. Et voilà. Et donc... visiblement, dès qu'on achète ce produit-là, c'est sponsorisé pour sauver les abeilles. Donc il y a une abeille parrainée pour chaque achat de canette. Voilà, et ce prix-là, cette canette est au prix d'1,59€. Donc voilà, c'est tout pour le unboxing de la Dégustabox de décembre 2019, qui est ma foi très sympa. J'ai pas calculé le total, mais il y a quand même pas mal de produits intéressants, je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et sur ce, bah, je vous dis à l'année prochaine pour la prochaine Dégustabox. Et je vous dis sinon à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!